Bon, salut les touristes. Alors, nouvelle petite vidéo. Là, on est dans la Capucine. Alors, je suis en train de refaire la Capucine. Voilà, je vais avoir cette fenêtre-là. Alors, je crois que je vais la condamner. Je vais la reboucher, je pense. Voilà, elle est toujours fermée. Ça nous apporte rien. Bref, c'est pas le sujet pour le moment. Pour le moment, c'est cet endroit-là. Voilà. Donc là, je suis en train de refaire une petite planche. Parce qu'en fait, avant, je vais vous poser là. Hop, je vais le mettre juste en dessous pour vous caler. Voilà. Normalement, juste avant. Hop. Alors voilà. D'origine, c'est comme ça. Et nous on met jamais notre tête au fond. Donc l'éclairage il va être retiré et rebouché pour mettre des prises USB. Et puis cette trappe là qui donne accès à un petit coffre aussi. Ça va être le coffre, la porte va être retirée. Et du coup je vais pouvoir faire regagner tout. Toute cette place là en rangement et donc refaire des étagères à l'intérieur et tout ça. Donc bah là j'ai commencé, j'ai déjà fait comme vous l'avez vu, hop, la façade avant. Alors moi j'aime bien quand ça rentre pile poil, alors ça force un petit peu mais bon, pas trop non plus, mais voilà, ça rentre, j'aime bien quand ça rentre comme ça. Voilà. Donc voilà ce que ça va faire. Et puis il y aura deux portes et au-dessus il y aura des rangements pour y mettre téléphone portable, des trucs comme ça à charger. Et puis puis à l'intérieur ce sera sûrement des sous-vêtements, enfin voilà, mais ça va libérer au moins un grand placard qui est là-bas, donc qui lui sera libéré pour remettre autre chose, parce que franchement là je trouve que c'est vrai qu'avec le matos, la GoPro, des trucs comme ça, ça prend pas mal de place. GoPro, appareil photo, micro, stabilisateur, tout ça, finalement, ça me prend presque un coffre. Donc voilà, donc on va libérer de la place comme ça. Donc je vais vous filmer tout ça. Allez, je continue. Ah, vous voyez la fenêtre, je vous en parlais. Vous voyez, je la filme un peu plus près là, et on voit très bien que alors c'est du double vitrage, hein. Donc le premier il a rien, c'est celui extérieur, mais voilà, c'est encore pire que l'année dernière. Donc il va falloir que je trouve une solution vraiment pour l'année prochaine de la retirer, et voilà, ou si quelqu'un en a une, on sait jamais. Bon, je continue moi sur mon chantier. Je me suis blessé au pied en descendant, j'ai marché sur une équerre métallique qui m'a arraché un bout de peau au pied. Ça fait super mal. Donc ici il va y avoir un tasseau qui va servir pour poser une tablette dessus. Et donc comme je sais pas ce qu'il y a derrière, je vais le percer, mais je vais aussi le coller. Donc j'ai repéré tous les 20 cm de quoi mettre une vis pour percer cette cloison là. Et puis mettre une bousée de colle derrière tout le long. Donc voilà, je vais percer ça. Hop là. Donc le premier trou, je le fais à l'intérieur parce que hop, l'appareil était à l'intérieur. Le premier trou, je le perce de part en part. Donc c'est un petit diamètre. C'est juste pour éviter, quand je vais visser, d'éclater le tasseau. Hop, je vais mettre les copeaux par terre. Voilà, donc là les premiers perçages sont faits et maintenant
avec un gros forêt. Je vais juste rentrer un tout petit peu, histoire de fraiser un petit peu la tête, pour que la tête des vis rentre dans le bois. Voilà. Hop. Passer un coup d'aspirateur après, de toute façon. Non, mais c'est bien, c'est pas tout mal. Et puis je vais fixer ça. Allez. Bon, et maintenant, je vais mettre un petit peu de colle. Surtout la colle qui va tenir, qui va faire le boulot, parce que les vis hop, ça je vais retirer ça tout de suite de là. Que je me connais, je vais en étaler partout. Voilà. Maintenant, la visserie, et puis je vais poser le tasseau. Papa ? Oui, ma chérie. T'as pas sorti les vélos de ta voiture ? Non. Ouais, mais c'est pas grave. Je termine ça et puis on y va. Hop. Donc surtout pas mettre trop long, bien sûr. Alors, pour ceux qui connaissent la chaîne YouTube LJVS, alors pour ceux qui aiment bien bricoler, bah, je vous la conseille. C'est une chaîne de bricolage. Et lui, il dit souvent, c'est pas la colle qui chie qui colle, c'est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle. Bon, c'est pas la colle qui chie, c'est-à-dire c'est pas la colle qui sort qui colle, c'est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle. Voilà, c'est simple, hein. C'est voilà, dans le métier ils disent ça. Bon ben voilà, premier tasseau de mie. Je vais en mettre un deuxième ici. Et puis ici, je vais peut-être en mettre un sur ma planche. Sur ma planche qui vient ici, histoire de l'avoir bien en maintien. Et puis comme ça, je vais pouvoir poser ma tablette. Et puis après, il va falloir que je trouve quoi mettre en porte sur cette planche-là. Je vois des portes originales. Donc voilà, à moi de trouver un petit peu ce que je peux avoir d'original à mettre là-dessus. Allez, je continue. Bon, voilà, j'ai fait ma petite étagère. Donc, bon, c'est du bois, ça travaille. Donc elle est un petit peu tordue. J'ai fait ma petite découpe en arrondi. Voilà, hop, donc là j'ai pré-percé à chaque fois ici, et puis comme ça je vais pouvoir la fixer pour qu'elle tienne correctement. Donc, je les ai percés de travers, j'espère que je vais réussir. Voilà.
Impeccable. Bon, voilà. Ça me plaît bien tout ça. Voilà. Hop. Continue ici. Bon allez, maintenant je vais arrêter là et puis du coup je vais emmener la petite, c'est la fête avec ses copines, c'est pas encore la fête de l'école mais il y a un truc d'organiser avec ses copines d'école. Hop. Bon bah ce sera pas tout mal. Ce sera pas tout mal. Oui, il va y avoir de quoi ranger. Franchement, ça va être bien. Ça va être impeccable. C'est de l'espace d'optimiser. Et on va regagner de l'espace ailleurs. Donc ça, franchement, ça j'adore. Et puis, je vais pouvoir faire un truc original là, je pense. On attendra madame pour savoir les choix sur les couleurs. Mais voilà, bon, j'espère que j'aurai fini quand elle rentrera. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, bon, voilà. Donc pour la découpe en arrondi, pour avoir l'angle, je me suis servi de cet outil. J'avais acheté ça sur Amazon. Si j'y pense, je vais mettre le lien dans la description. Parce que c'est super pratique, c'est pas pour gagner de l'argent. C'est plus parce que c'est super pratique. Franchement, ça m'a bien servi. Donc, je me suis servi de ça et puis d'un gabarit en plastique, en fait. J'ai fait toutes mes petites découpes, vous voyez. Et franchement, c'est super. Moi, j'ai gagné du temps grâce à ce truc-là. Donc, si j'y pense, je mettrai le lien dans la description. Et donc là, je suis en train de voir comment je peux procéder. Hop. Donc, j'ai pris mon mètre. J'ai pris mon mètre et du coup j'en suis à voilà, faire des 40 serrettes ici. Hop. Je vais peut-être faire des petites cloisons, des petites séparations comme ça. Voilà. Moi j'aime bien quand ça rentre à fort un petit peu. 40 on est bon. Ça me paraît pas tout mal. Donc voilà, donc je vais faire des petites séparations comme ça. Je vais en mettre une autre ici. Comme ça, moi, ce sera sûrement slip et puis les chaussettes en dessous. Madame slip et... Enfin, culotte et soutien-gorge, voilà. Je vous passe les détails. Mais voilà, je crois que ça va être comme ça. Et puis, ça, franchement, ça va être royal. Bon, bah voilà, j'ai fait du coup mes petites cloisons. Et puis maintenant je vais repérer la dimension de là et le remettre sur ma planche et puis faire mes découpes de porte en fait sur la planche. Voilà, je vais avoir trois découpes à faire et du coup voilà, il va falloir que je trace tout ça. Allez, je continue du coup. Hop. Alors là on va dire que j'ai 40. Donc je vais prendre entre 10 et 30. Toujours à chercher le crayon que j'ai laissé en bas. Et ben je vais aller chercher le crayon en bas. Donc là on est sur la partie intérieure du placard. Donc je peux tracer, ça va pas ressortir. Voilà, entre 10 cm et 30 cm pour avoir une ouverture, on va dire, voilà, de ici à ici.
Et puis je vais mesurer la hauteur. Maximum c'est 17. Donc hop. Voilà, je vais tracer les 17 cm maximum. Ici pareil. Et puis je vais aller tracer ça. Et puis je vais essayer de trouver quelque chose qui fasse ce diamètre là, soit pour faire un trou bien rond, enfin bien. Franchement je veux un truc sympa, donc je sais pas quoi faire du tout. Mais bon, je vais continuer de tracer comme ça et puis je vais réfléchir à ça. Je vais faire le tour du garage pour voir ce que j'ai pour faire des belles portes là-dessus. Bon voilà, j'ai tracé à l'intérieur. Et puis je suis en train de voir pour faire des beaux arrondis. J'ai pas trouvé de porte qui pourrait aller. Je voulais un truc original. Et donc voilà, je mets du bombe de peinture pour tracer au plaid. Je tiens l'appareil photo en même temps pour tracer mes arrondis. Voilà, pour que ça fasse vraiment le plus propre possible. Et après, il faut assurer à la découpe. Hop. Donc voilà, je vais refaire en bas aussi. Là je laisse 2 cm en haut et puis ce sera ouvert sur toute cette surface là en fait. Ça, ce trait là on l'oublie. Je voulais faire l'essai mais non, ça va pas. Bon allez, je continue puis je découpe ça. Bon, et donc maintenant, comme je vais faire la scie sauteuse, hop là, voilà la scie sauteuse qui est là. Et je peux pas commencer ici, sinon ça va se voir, comme ma porte va être fermée. Donc je vais faire des trous avant à la perceuse. Par contre, ça va se voir un petit peu. Et donc je vais mettre mes charnières à ce niveau-là en haut, en fait. Donc là, je vais prendre le milieu et puis je vais faire 2-3 trous ici, histoire de passer la largeur de ma lame. Vous allez comprendre. J'arrive à rentrer cette lame là dedans, mais je vais la changer. Je dois en avoir des moins larges, ce qui va me permettre de mieux tourner. Elle prendra moins, comme elle est large, elle sera celle-ci. Elle aura plus tendance à aller vraiment droit que l'autre qui est moins large. Elle aura tendance vraiment à prendre la courbe que je vais lui donner. Hop, alors voilà, vous voyez. Deux différences de lame. Donc là je vais utiliser celle-ci, contrairement à celle-ci, vous voyez, qui est beaucoup plus large. Ça va pas faire du tout le même travail. Celle-ci elle va vraiment adhérer dans le virage correctement. Allez, je change la lame. Et voilà. Et donc maintenant c'est parti. Bon, puis l'herbe, pour ceux qui demandaient, elle a commencé à pousser.
Et puis bah, tout potager, les fraises, les salades, la rhubarbe. Alors la rhubarbe, j'ai déjà dédoublé parce qu'avant elle était là-bas tout au bout. Et elle s'y plaît vachement. Bon, voilà ce que ça donne avec les trois portes. Et puis là, bah, je vais refaire une découpe en arrondi. Bah, je vais remesurer ça, je vais recentrer ça. Et puis du coup, bah, il va y avoir une porte qui fera tout le long aussi ici, qui donnera accès au placard du fond. Bon, ben, bah, voilà ce que ça donne. Donc il me reste à le poser. Et puis, bah, je crois que la suite sera dans la prochaine vidéo du coup. Je vais aller poser tout ça et puis je vous montrerai la suite dans une prochaine vidéo. Voilà, et ben je vous dis à bientôt. Allez, salut.